À chaque coup de marteau, c'est l'œuvre d'une vie qui s'envole vers d'autres cieux. Des dizaines de reliques qui ont traversé les siècles, jusqu'à tomber entre les mains du commissaire, priseur. On les croirait tirés de vieux films, mais non. Ce sont de vrais arquebuses, de vrais revolvers, qui ont dû servir dans le temps un véritable arsenal. C'est un petit Derringer de coups, et avec sa crosse gravée de cartes à jouer. Il s'agit ici d'un Colt, bien entendu américain, Navy, modèle de 1851. Le pire dans cette histoire, c'est que tout ça, c'était légal, mais bien caché. Et il a fallu que ce généalogiste vienne fouiner dans la maison du propriétaire décédé, à la recherche d'héritiers. Il a trouvé les coffres forts, ils les ont fait sauter, et à l'intérieur... Dans ces coffres, nous avons découvert un trésor, et je pense que c'était une personne qui avait d'abord une passion pour l'histoire, puisqu'on a retrouvé de nombreux livres d'histoire, mais également qui a subi un certain traumatisme de guerre dans les éléments qu'on a retrouvés, et peut-être qui a été très marqué par l'Algérie notamment. Et ils ont retrouvé toutes les armes, même celles cachées à la banque, jusqu'au petit pistolet chargé, caché sous l'oreiller. 189 lots, il y en avait pour une petite fortune. Une accumulation comme celle-ci, c'est quelque chose de rare, et c'est ce qui fait tout l'intérêt de cette collection. On a des gens partout dans le monde qui sont en train de regarder ça, donc les pièces les plus rares vont évidemment monter. Et voilà, les enchères, un carton comme prévu, pour le plus grand bonheur des 11 héritiers et d'autres collectionneurs avides de pièces rares. 5500 pour ces pistolets de duel, qui continueront leur histoire entre de nouvelles mains.